Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous fêtons pendant cette messe Saint Joseph. Saint Joseph auquel on nous dit que c'est un homme juste, c'est-à-dire que c'est un homme ajusté au Seigneur et qui écoute le Seigneur, ce qui fait qu'il sauve aussi sa famille aussi de plusieurs dangers. Alors pas seulement parce que l'ange lui apparaît ou qu'il a des fois eu des songes ou je ne sais quelle chose un peu extraordinaire, mais Joseph c'est vraiment un homme profondément intérieur qui écoute Dieu lui parler et qui par cette écoute vraiment guide la famille à bon port et permet aussi à cette famille de faire la volonté du Seigneur. Alors je me disais peut-être que pendant cette fête de Saint-Joseph, où de nouveau, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes confinés à la maison, vous ne savez peut-être pas trop ce qu'il faut faire, on est peut-être un peu démunis, mais c'est peut-être l'occasion justement d'entrer en vous-même et puis de demander au Seigneur, vraiment de lui demander, que veux-tu que je fasse, et puis d'écouter peut-être cette voix intérieure qui vous guidera, comme elle a guidé Saint-Joseph et la Sainte Famille durant des années et des années. Voilà, en tout cas, bonne fête à tous, que Saint-Joseph vraiment règne dans vos foyers avec la Vierge Marie. Amen.